Coucou tout le monde, salut, c'est Cracotte, content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour Contrat Opération Galuga. On va essayer de le faire en let's play, on avait fait une découverte déjà sur la chaîne principale. Alors ce que j'ai pu voir un peu sur internet, le jeu, il faudrait moins de 2 heures pour le finir. Bon, on va voir tout simplement si on arrive à le finir en moins de 2 heures. Si on le fait en moins de 2 heures, on le fera en deux parties. Si on le fait en plus de 2 heures, on le fera en plusieurs parties. Voilà, donc là on a le choix entre deux personnages, on peut jouer jusqu'à 4. Donc là on a aussi un mode histoire, un mode arcade et un mode défi. Malheureusement c'est que du local, on peut pas jouer en mode en ligne, en mode coopération, ce qui est un peu dommage. Donc là aujourd'hui on va faire le mode histoire et nous on va pas se prendre la tête, on va le faire en mode easy, en mode noob. Oui parce que ce jeu est vraiment très dur, on avait fait la découverte en mode normal et je me suis fait arroser par les boss. Donc j'ai pas trop envie de passer mon temps dessus. Juste vous montrer un petit peu le jeu et après vous pouvez le faire en mode dur, en mode hard comme vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais prendre lui, peut-être Bill Razer. Peut-être pas mal. Donc, on va prendre celui-ci. Et voilà. Et nous sommes actuellement en live. Hein, sur Contrat Opération Galuga. Sur la chaîne Twitch. Ah ouais, ça veut dire lance haricot. D'accord, ok. Bon, on va lancer des haricots alors. On va se faire fracasser par les boss surtout, oui. Alors, 6 mois plus tard, voici Cracotte. Let's review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. We've confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga, following the meteor event earlier this year. The Federation immediately dispatched the GX Army, as they were in the vicinity for military exercises. They seemed to be making headway until 3 days ago, when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took him out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Something on Earth emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates align squarely on the Galuga archipelago. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons? The Federation banned them decades ago. That's right, Lance. We can't risk destructive power of that magnitude falling into the wrong hands. My weapons division at Henriksen Industries confirms those readings are consistent with the components of a gravity bomb. Even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts, climate disturbances, or worst case, potential. Bill, Lance, given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC counter unit. Your primary objective is to engage Red Falcon ground forces, confirm the source of those gravity waves, and disarm it. If at all possible, locate the GX Army and report back with their current status. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. A remote hideout, missing super soldiers, and a doomsday weapon. Hell of a Friday. Donc là on reprend, on était sur la découverte. Hein. Je sais même pas si on avait réussi à vaincre le boss, franchement je m'en souviens vraiment pas. Je sais pas si on avait réussi à le vaincre le boss sur la démo du jeu. Bah ouais, pas de coopération en ligne malheureusement. Je sais pas s'ils feront une mise à jour un jour peut-être, hein, je sais pas du tout. Bon bah du coup, on est parti. J'espère qu'en tout cas ce jeu vous plaira. Alors... Take a moment to practice movement, jumping, and shooting.
Doyle tells me all Contras can jump a second time in mid-air. Je m'en souviens plus comment déjà qu'on se bloque. Hein. Ah oui, avec le R2, c'est vrai. Tu comment pour m'allonger? C'est bon, je suis allongé. Là, on peut faire double saut. Ah, oh, il est tellement bien ce jeu. Ah, oh, j'avais carrément adoré sur la démo en fait ce jeu. J'avais tellement bien aimé. Allez hop, on commence par un premier trophée. Mais là, on peut jouer en coop. Ouais, j'aime pas celui-là. Ah, mais c'est vrai qu'on peut alterner, c'est vrai, j'y pense plus. Le F. That's strike one. It's all three by my count. You hold a primary and secondary weapon. Swap between them strategically. Et ça va du coup, le son là, il est pas très fort là. Il faut vraiment que la voix soit équilibrée avec le son du jeu. Hein. Faut bien écouter les amis. Hein. Faut pas me dire que le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix parce que... Je peux pas baisser. Hein. Le jeu est très beau, ouais. Mais c'est pas un jeu de Capcom, non. Pas Capcom, non. One more down. Konami. Aïe. Putain, je perds trop de vie. Hein. Ah, j'ai oublié de sauter. Our weapons have a secret overload function. You can sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Bon, ça aurait pu être Capcom, hein, c'est sûr, ça aurait pu. Try the overload function now. I'll send a replacement weapon immediately. L2. Pourquoi ils disent L2? Don't forget. Ah, d'accord, ok. On a des sortes de protection. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, moi. Contra had arrived when the entire jungle caught fire. It's been a while, Bill. What are you doing here? We're here to save your ass. If the EMC was gonna stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Looks like the small army couldn't handle it. So... Ah, bah nickel. Nickel, nickel. Alors, impeccable. Stay alert. Alors, tac. These guys aren't messing around. What's the sit-rep iron say? Souvent, hein, quand je suis dans le logiciel, je suis obligé d'augmenter le son ou de le descendre par moment quand je fais des vidéos à côté. Bon là, c'est la première fois que je live et j'essaie d'enregistrer en même temps, voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est pas facile là, de gérer le son et la voix en même temps comme je m'entends pas. J'aurais eu de meilleur matériel, bon, ça serait beaucoup plus simple de gérer directement. Mais là je peux pas régler directement en live plus strike, c'est assez compliqué. Et du coup, si ça marche bien, du coup, on fera pareil, je pense, pour Ronin, pour vendredi. Alors, peut-être faire une découverte avant, tranquillement, de mon coin. Et puis, je pense que les let's play, on va les faire en live, maintenant. Ça sera plus simple. Je vais les faire en live, si ça marche impeccable, comme ça, là. Ça sera beaucoup plus simple. Hein. Alors là, faut juste... Ah oui, faut que je tire sur la boule, là. Oh là là, cette puissance, hein.
Et ouais, c'est vraiment dommage pour le mode coopération online. Hein. Parce que c'est un jeu qui est vraiment adapté pour faire du mode online. Hein. Oh, je suis... Hein ? Je suis déjà mort ? Je suis déjà mort, les gars. Waouh. Continuez. Heureusement, je recommence de là. Hein. J'imagine pas en mode hard le jeu. Hein. Ok, ça c'est fait. Ouah, ça pète de partout. On ressent quand même la difficulté du jeu quand même. Ah non, mais faut que je tire sur la boule. Eh oui. Niveau terminé. Ok. On a réussi le premier. C'était pas là, du coup, on avait fait la... On avait un boss là. Ah, c'était après peut-être. Ah ouais, c'était après alors. Il est bien le personnage de gauche là, il me fait penser à Rambo. On aurait pu le prendre aussi. Hein. Apologies, Commander. We should discuss the chopper attack. Yeah, we should. Alors par contre, le mode histoire, j'ai l'impression que ça se joue qu'à deux, avec ces deux persos sur le mode histoire. Et après, à quatre, on peut faire le mode défi, ou le mode arcade. Mais là, tu vois, ils auraient pu faire le mode online, le fait qu'il y en a un qui dirige Lucia, je veux dire. What? Lance et puis l'autre, quoi. Organic. What exactly does this mean, then? It means we have a good opener when we find the guy in charge. I'm ready if y'all are. Resume the mission. Locate Red Falcon's lieutenant for questioning. We'll update when we know more. Over and out. Ok, l'infiltration. Alors, niveau 2. Donc là, on a fait le niveau 1 et niveau 2. On a quoi ? Boutique de bonus aussi ? C'est quoi tout ça là? Active la capacité grappin. Ouais, mais ces personnages, on les a pas là. Ajoute non, limite durant un sprint, build uniquement. Ok. Subit des dégâts sans perdre les armes niveau 2. C'est tous les bonus ça. D'accord, ok. Augmente le total de vie du joueur. Ah ouais, mais j'ai besoin moi. J'ai besoin, je suis un noob. Voilà. Ok. Donc là, j'ai plus de vie. Peut-être on va peut-être prendre lui, hein. Lui là. On va peut-être commencer par lui. I could search a lot faster on one of these hover bikes. They haven't decommissioned this model yet. Oh yes. Ah, on l'a pas fait ça. Sur la découverte, on l'a pas fait ça sur la démo. Hein. Ah, excellent. Trop bien. Ah non, mais je perds trop là. Et là, faut que je tire sur les autres là. Ah
En fait, faut bloquer le R2 en fait pour rester sur place. Et par exemple, si je tire là, avec le carré, par exemple, et j'avance là, mais si je le fais le R2, du coup, je bloque le personnage. Avec le R2, en fait, je bloque hein, et je tire avec le carré. Explain. Name is Bradley. I'm just a merc, you know. Signed up for some easy money, but these guys are terrorists, man. Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait esquiver avec le rond. D'accord, avec le rond, on peut faire des esquives. Not you. Because I'm different. They locked me up for some weird experiments. That's why I'm getting out now. So how about it? Can you get me off this island, please? With your training, you might be able to help us. No way! You don't understand. Someone let me out! They're trying to kill me! I gotta get out of here! Oh, y'a un sniper qui est en train de lui tirer dessus. Eh ouais, tireur d'élite. Thanks for the help, I gotta get out of here! Well, good luck, Bradley. Vraiment stylé, hein. Il y a vraiment plusieurs variantes de munitions. Ah, le H, hein. Putain, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Oh, j'ai le M. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un shooter comme ça, là. Ah ouais, franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. Franchement, ça fait du bien de jouer à ces styles de jeu. Ça change, hein. Ça change des jeux qu'on joue en général. Fait toucher hein. Ah, je fais que de me faire toucher. Oh non, j'avais pas vu les pics. Ah, il m'a bien eu, hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus de vie. You won't get much information out of him now. Defeated
beaten up enemies, and the bonus pot indicator will appear below your health bar. When you need a weapon, give me a call, and I'll send it right away. Ah, ça va vite, là. Ça, c'est tellement fort, cette variante d'arme, là. Non, je suis game over. Oh là là là. J'espère que je recommence pas tout le niveau, hein. Waouh. Non, ouf, hein. Oh, imagine, je recommence tout le niveau. Y'a quoi péter des plombs? Aïe aïe aïe. Je sais pas, le S il est meilleur que le H. Je sais pas c'est quoi les meilleures armes dans Contra. En fait, ils ont tous des LED différentes. Ah, le H, j'ai l'impression qu'il est vraiment pété, hein. Le H il est vraiment très fort, hein. Alors peut-être que les lettres en fait c'est tout simplement des variantes en fait, hein. Ah ok, on recommence pas, hein, heureusement. Ouais, on peut changer là, on peut en avoir que deux en fait. On peut en avoir que deux. En haut à gauche, tu vois bien, en dessous lance là, il y a ML, du coup je peux switcher entre les deux là. On peut en prendre que deux en fait. Waouh. Bah ça c'est un boss, ça. Ça c'est un boss. Ah oui, balance un truc. Aïe. Heureusement, j'y me reste de la vie, hein. 4 vies me reste. En 5 vies. Imagine en mode extrême. Comment tu veux réussir en mode dur, hein? La première fois, c'est impossible. Et en général, dans ces jeux-là, je suis pas très bon, alors on va éviter, hein. Voilà, niveau terminé, merci, au revoir. Bon, on sent la difficulté, hein, qui est un peu adoucie quand même, hein. Les boss sont un peu plus rapides. Riser to HQ, do you copy? Little update, the lieutenant turned into some kind of monster. We're here, Major. Sounds like Red Falcon is using biological weapons technology. On the positive side, we located their data hub, and Lance is hacking it now. That's generous phrasing. If anyone at HQ has suggestions, I'm not above asking for help.
Looks like you're in. We'll begin analyzing the data. There's another facility north of your current location, just past a local village. This data suggests it's a laboratory. Our best shot at information regarding those gravity waves. Village? Can't still be civilians there, right? Officially, they evacuated after the meteor shower, but we already know that report is less than accurate. Don't love the sound of this. Heads up. I'm accessing security footage of an unknown operative. You boys aren't alone. We'll be careful. Regardless, we'll head for that village and let you know if we find anything out of the ordinary. Allez hop, encore un petit trophée de bronze. Du coup, on est rendu au niveau 3, le village. Boutique de bonus. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Non, ça on va pas l'acheter. 500, augmente la hauteur double saut. Ah, là. Ah, commencer le niveau avec un H équipé. Active les surcharges niveau 2. Augmente les PV de 1. Ah, ça oui. Oh oui. On augmente les PV de 1. Eh oui. On augmente les PV. Hein. Bon. Allez. Niveau 3. On garde celui-là. Il est vraiment pas mal celui-là. Ah, on peut mettre des boosts. Regardez. On peut mettre des boosts. Hein. Augmente les PV. Hop là. Le petit bonus qui va bien avec. Au moins il est équipé le truc. Ouais. Ouais. Attendez. Ouais, c'est bon. Regarde bien parce qu'on sait jamais, hein. Faut bien regarder. Bon, j'ai un petit boost de vie. Allez. Ils sont sympas les niveaux, hein. Mais il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, hein. Il y aurait que 8 stages. Ça serait vraiment pas beaucoup, hein. On est déjà au 3ème. On a bientôt fait la moitié du jeu, quoi. Donc j'ai vu un petit peu sur internet, ils disent moins de 2 heures, 8 stages. Là on est au 3ème. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Non mais attends, je me fais trop toucher là. On aurait pu monter là-haut. Ah ouais, on aurait pu passer par là. Ouais, bah d'accord, ok. Ok. Ah, ça c'est tellement fort cette arme là. Une sorte de fusil à pompe là. À plasma là. Bon, peut-être même ma meilleure fusil à pompe parce que ça va super loin. Là, je me fais trop toucher. Hein. Wow, j'ai fait quoi là? J'ai appuyé L2, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un super pouvoir, mais du coup, je suis mort. She must be from this village. Oh, c'est un boss ça, non? Oh, ça c'est un boss. Hein. Ça va, il y a pas mal de boss par contre. Hein. Ça c'est bien par contre. Il hein. Y en a au moins 2-3 des fois.
dans chaque stage. Ça a été vite, hein. Ouais, c'était vraiment un petit boss. C'était un petit boss. Un tout petit boss. Ah oui, par contre, celui-là, j'aime bien. Hop là, j'enlève le C. Ouais, celui-là, je le garde parce qu'il est vraiment bien. Ah, il y a quelqu'un qui va peut-être nous rejoindre, hein. The two warriors who've been tearing through my men. You the guy in charge of Red Falcon? I am Varanus, the vanguard bringing order and justice to this planet. Just had to post about this island vacation first, huh? And who are you? Two soldiers? To stand against my unstoppable forces? We're Contra, the Earth Marine Corps' finest. Contra? Is that so? Leave this island! Well then, Contra, I will look forward to our next meeting. Sachant que lui, c'est le boss de fin, je sais pas pourquoi. Du coup, elle va rejoindre notre équipe, je pense. Hein. Ok, ça c'est fait. Ah, mais cette zone, on la connaît. C'est la zone qu'on a fait, faite. Hein. Sur la démo. C'est là où je crois qu'on était bloqué sur le boss. Je sais même pas si je l'avais réussi. Putain, je m'en rappelle pas. En fait, on va grimper. Ah, oui, c'est ce boss-là. Puis le stage aura fini. On aura fini le stage. Ouais, c'est là. Je m'en souviens. On va récupérer le F. Hop là. Ça c'est fait, lance-flamme. Surprise. Ah bah je l'ai dit en début de vidéo, hein. Que là je le fais vraiment tranquillement, hein. Pour une première run, on le fait tranquillement. Ah bah tiens. Et ça m'empêche pas de mourir. Ah bah je suis tombé dans le vide. Oh. Un coffret. Pas mal le trophée, non? En fait, ça ressemble, mais je crois pas que c'est ce passage. Je sais pas. J'ai un doute, là, maintenant. Ouais, non, mais... Non, mais c'est... Oh. Je peux même pas sauter dessus, hein. Non mais non, je tombe dans le vide. Ah non, ouf. Si
Mais si, c'est ça. Et là, du coup, il y a un boss. Il va y avoir un boss. Et si, je crois qu'on l'avait réussi, hein. Il me semble. Il ressemble à quelqu'un du membre de YouTube. Il a la même tête, hein. J'ai pas envie de rien dire c'est qui, mais... Il a la même tête qu'un membre de YouTube. Le membre de YouTube sera c'est qui. Il ressemble. Quand il est en mode enragé. Putain, je perds les mots, tiens. Je bafouille. Malheureusement, ça, je pourrais pas le couper, ça. Il y aura pas de cut, hein. Tant pis. Eh ouais, je bafouille. Il n'y aura pas de cut. Ah ouais. Dommage. C'est Alexis qui est quand il est en mode en colère. Attention. Le pauvre. Franchement, il prend trop cher Alexis à chaque fois. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, je remercie hein, toutes les personnes qui sont membres hein, de la chaîne YouTube. Je vous remercie énormément encore une fois de plus pour le soutien. Je rigole, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et qui sont actuellement sur le Discord et qui me suivent sur les lives aussi également. Et ouais, ils me supportent hein, tous les jours. Ah, mais je fais que de mourir, c'est un truc de dingue. Game over. Hein. Putain, mais c'est un truc de fou, hein. Total de pièces, hein. Continuez. Bon, on recommence de là, heureusement, parce que... Allez. C'est pas grave, c'est naturel. Pourquoi, lui, il est naturel? Ok. Bah, si c'est naturel, elle a pas mis de fond de teint, hein. Hop là. Ok. Bon, à force de le faire. Hein. On commence à comprendre. Et oui, c'est. Je crois qu'on peut. Ah, voilà, c'est vrai qu'on peut esquiver, j'y pense jamais. Ah, j'avais même pas fait attention que le boss il bavait. C'est de la bave, non? C'est de l'eau qui sort de sa bouche, hein. J'ai l'impression que ouais, c'est de la bave. Ouais, il bave en fait, ouais. Il bave un peu, ouais. Il a peut-être chaud, hein. Il a peut-être soif, non? Il est en colère, ouais. Rage du feu. On me dit dans l'oreillette qu'il bave, hein. C'est un bulldog français. Alien. J'ai plus de vie, hein. Ah, j'ai plus de vie. Je perds une vie, quoi. Oh, dans sa tête. Est-ce qu'il est pas beau, hein. Je comprends pourquoi Alexis reste célibataire. Alors, on a fini le niveau. Ok, terminé. Oh là là, Alexis, franchement, tu t'en prends plein la tronche là sur cette vidéo. Je suis désolé. Hein. What the hell was that? Bah, moi, on m'a dit que hein, y avait la ressemblance à Alexis sur ce boss. Donc, moi, je répète ce qu'on me dit. Hein. A creature from beyond the stars. I tried to warn you. Ça se trouve, il regardera même pas cette VOD. Il regardera même pas cette VOD. Je crois que c'est pas ses styles au jeu. I am Ariana. My people protected this island for thousands of years. After the meteors fell, the village was attacked. I've assumed my tribe's sacred mission. Then that man, Varanus.
Donc là, si je comprends bien, on est à la moitié du jeu là, c'est ça? On serait à la moitié du jeu là. As if they'd lost wills of their own. You catching all this, Doyle? I am indeed. Commander, this is the situation we were afraid of. Understood, Lucia. Try to link up with our Contras once you arrive. Where's Varanus now? He was too fast. I lost him in the climb. That big ugly monster came out of there. No telling what else is going on. Riser's correct. For the time being, your mission is unchanged. See if there's any leads on gravity weapons in the lab. I'm coming with you. Sure, kid. It's gonna get gnarly in there. It's not any safer out here. I don't think we have a choice. But don't let her out of your sight. Sheesh. Ray graduates academy and you're already adopting another one, huh? Relax, Pops. This isn't Uncle Bill's first rodeo. There's no time to waste. Eh oui, hein. Ne perdons pas de temps. Je pense qu'elle a rejoint le groupe. Bon, du coup, on va la prendre. Si elle a rejoint le groupe pour le mode histoire, on va la prendre. Voir ce qu'elle envoie. Ok, c'est ça. Hein. Ariana, du coup, elle a rejoint le groupe, hein, ce que je disais. Donc, on est rendu au niveau 4. Hein. Ok. Donc, on a combien de pièces hein? 426, c'est pas énorme. Hein. Ok. Alors, labo, et du coup, on va la prendre. On va prendre le boost de PV, et c'est parti. Their days are numbered. Now this. Got one. Hi, Ariana. I'm Daniel Henriksen. Watch that footage of you in the village just sliding past bullets. You're amazing. Ah, pour une fois, j'ai pris mon temps. Hein, c'est pas tous les jours. Hein. Ça, c'était pas prévu que tu me touches, toi. Ok, celui-là, par contre, il est génial. Non, 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 non. Celui-là, on me le garde. Bah celui-là est génial, là je le garde. Oh, des nouvelles bêtes. Oh, on a des zombies qui arrivent. Ah ouais, des mutants. Non, pas ça que je voulais faire. Ah,
d'accord, ok. Tu, quand tu fais le L2, tu pètes ton bonus, en gros. Ah, tu pètes ta variante. Hein. Ah, ok, je savais pas. Comme ça, là. Il faut tirer sur le truc orange. Ah, ça marche bien cette technique là. La technique comme ça là, du saut en jump là. Ah, GG ça. Ça c'était bien ça. J'arrive à avancer, hein. Et là, si je reste comme ça, là... Oh, j'ai récupéré une vie. Ah non, il est carrément passé en level 2, mon lance-flamme. Vous avez entendu le petit bonus, là? Plus qu'on joue avec l'arme, du coup, il augmente de niveau. Il est passé niveau 2. Non? Ou c'est une vie que j'ai gagnée? Non, c'est une vie, hein. Non, non, c'est une vie. Non, je crois que mon lance-flamme était meilleur. Non, non. Non, c'est une vie que j'ai gagnée. Oh, oh, attends, oh là là. Oh là là. Ah oui, les trucs qui bougent, là. Fais attention, là. Ah non, 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 non. Ah, ce passage-là est un peu plus dur, hein. Oh, qu'est-ce que je fais? Ok. Bon, on a réussi à passer le passage. Ouais, bof, hein. Ouais, c'est meilleur, ça. On peut y aller. Contra, Explo, ces noms ne signifient rien à moi. Les deux sont plus connectés que vous pensez. Contra ne pourrait pas exister sans Explo. I suspect you have some interest in this island, beyond Varanus. Afraid I can't really say, but Varanus poses an interstellar threat to our planet, so Explo is very interested. Evaluating that threat is why we're all here, remember? Time to get back to the mission. We will remain allies, for now. I suspect gravity weapons are only the beginning. You find any information, right? Ah bah oui, il fallait que je descende. J'aurais pu attendre longtemps. Oh merde. J'attendais. J'attendais ça. J'aurais pu attendre au moins 10 ans comme ça là. Je dis ah ok, ça avance pas. Ah merde, là je suis bloqué. Ok. Je te jure, hein, des fois. C'est dingue. Hein. Eh ouais, tellement concentré que j'écoute les dialogues. Ben je savais pas qu'il fallait descendre. J'attendais moi. Mais bon, on aurait pu attendre longtemps. Oh non non, je veux récupérer le F. Ah, ça fait du bien le F. Ah ok, je suis tombé dans le trou. Hein. Par contre, là, il y a le F, là, il n'y a pas marqué niveau 2. Ça veut dire qu'il fait moins de dégâts, alors. Ah
Ah ouais, je fais pas de dégâts là. Hein. Oh, il m'a emmené dans le paradis, l'ennemi. Oh, j'arrête pas d'enchaîner les morts. Ah ouais, je fais plus de dégâts là. Je fais plus de dégâts là. Oh là 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 là, comment on enchaîne les morts dans ce jeu. Allez. Bah, c'est pas beaucoup de vie, hein. Allez, le boss. Waouh. En tout cas, les boss sont très beaux. Hein. Rien à dire, hein. Les boss, franchement, ils sont pas mal. Hein. Sans le game over, ça. Et bah au final, mais non. Mais non, pas le game over. If I'm late. Impressive work, though. Commander Doyle, I've accessed the Red Falcon system. You ready, Daniel? Opening a transfer into the Federation's network now. I hear you. Running analysis. This seems promising. Data regarding an object with massive energy readings. This could be the X-type artifact. We hypothesized it could be somewhere on the island. Meaning, the gravity anomaly was no weapon at all. Lucia, you must locate the X-type artifact. I'm well aware of the implications. Hey, X-Flow. Care to share with the rest of the class? What's an X-type artifact? Our data indicates it's an extraterrestrial object brought to Earth thousands of years ago. There's a lot we don't know, but it definitely houses an incredible amount of energy. Enough to cause those readings. If it's on Galuga, it's likely what Varanus is after. Ariana, does this look familiar to you? That is the Lemris. What my people call the Seed of the Gods. It's why we must defend the island. It's sealed in a sacred temple deep in the mountains. Only a few of my tribe are able to open the gate. But after my village was attacked, they're gone. The Lemris cannot be reached. We need to at least try, before Varanus finds a way in. Even with Ariana's help, crossing that mountain range on foot would take days. Come in. Do you copy? Damn it, Raza, where are you? We copy, Stanley, but we're a little busy at the moment. I found the GX army. We've been fighting monsters. I could really use some extra firepower. Monsters? Yeah, turns out Galuga has a real alien problem. My men collapsed. Like they've been shut off. Falcons loaded them onto a train and are transporting them into the mountains. What the hell? So, you guys up for a rescue mission? Train, huh? Sounds like we found our ride. Sending our coordinates. You saw the readings, gentlemen. We now know without a doubt that we are under threat of an alien invasion. Does this warrant reopening the G initiative?
This scenario is the reason the protocols exist. I'm afraid the underlying technology still eludes us. In early trials, that is. We'll need Henriksen's finest minds dedicated to the project. Yes, of course. Et bah du coup, un nouveau plan. Et du coup, il y a X-Flow qui a rejoint. Donc c'est Lucia qui a rejoint le groupe, hein, c'est ça? Ok. Donc là, ça va être le personnage qu'on va reprendre pour la prochaine partie de Let's Play, de Contrat Opération Galuga. On va s'arrêter là sur la première partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure. En tout cas, merci d'avoir vu cette première partie de Let's Play. Sur ce, ciao à tous!